Salut les petits choux. Il y a un peu de chaud là derrière. Et de la chenvotte là-bas. Printemps un peu compliqué là pour moi. Donc le chantier il est presque en pause. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé. J'ai dû faire une petite vidéo sur les échafaudages. Donc j'ai réussi à faire une structure sans trop encombrer le bas de la chapelle, donc on peut se déplacer à peu près partout. J'ai croisé les montants et pour ce faire, je les ai percés dans le sens transversal, ce qui fait que je peux poser des planchers dans un sens et dans l'autre de la structure. Et j'ai fait des petites plateformes en bois, avec des bouts de chevron et de la glo tout pourri que j'avais en stock, pour avoir des planchers dans les angles. J'ai encore des questions sans trop de réponses. Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis d'un maçon, ce que je vais peut-être réussir à faire cette semaine. Quelqu'un qui a l'habitude du chaud-chanvre et de la préparation des supports, parce que j'ai des petits doutes. Et que j'aimerais bien savoir si j'ai pas fait trop de conneries avant de continuer la voûte. Et puis savoir si ma méthode pour la voûte, elle est envisageable. Ou pas, voilà. Dernier gros chantier, je pense, dans la maison. Hein, un truc un peu lourdingue avec des tonnes de matière à remonter. Après, ça va être beaucoup de structures et du placo et du pare-vapeur que j'adore. Donc aujourd'hui, eh ben, je vais continuer à gratouiller un peu la voûte. Je fais tomber tout ce qui sonne creux et tout ce qui est prêt à tomber. Et puis je gratouille un peu avec une brosse en fer. J'espère que tout va bien pour vous, je vous embrasse et puis à bientôt. Allez. Okay. J'ai fini de gratter la voûte, j'ai envoyé un bon coup de soufflette pour faire tomber la poussière, j'ai nettoyé le sol de la chapelle. Il va être le temps, enfin, de continuer cette structure. J'ai réussi à parler à un maçon là, qui a un peu d'expérience en chaud-chanvre. Pour vérifier que j'avais pas fait trop de bêtises, j'ai un peu bâclé le travail au niveau de la préparation des supports. Pour les murs, et puis j'ai utilisé un lait de chaud alors qu'il aurait fallu que je fasse plutôt un gobti. Donc là les recommandations du maçon pour ceux que ça intéresse, c'est de mettre plus ou moins de chaud dans le gobti en fonction du support sur lequel on va travailler. C'est-à-dire que pour bosser sur un mur à la chaux, votre gobti, vous mettez les mêmes proportions que dans un mortier, c'est-à-dire 2 de sable, 1 de chaud. Et par contre, plus on travaille sur des supports rigides, parce que faut savoir par exemple que le ciment il est beaucoup plus rigide que la chaux, on va faire un gobti avec une concentration de chaux plus importante. C'est-à-dire, lui il conseille de tendre vers du 1 pour 1, un volume de sable pour un volume de chaux. Le maçon il est plutôt favorable à la structure, j'ai même l'impression qu'il disait que c'était une bonne chose. Faut que je lui repose la question pour la suite. Voilà, j'ai gratté quand même tout ce que je pouvais. J'ai fait ça avec une brosse métallique à la disqueuse. C'était bien violent. Donc je pense que j'ai enlevé le max, mais je sais pas s'il faut faire quelque chose de plus. Un autre point important, c'est la protection du métal. Puisque la chaux, ça conduit l'humidité, donc le métal rouille et ça provoque des réactions chimiques.
Alors ça aussi, je suis pas impeccable sur cette question puisque j'ai attaché pas mal de gaines électriques avec des tire-fils qui est dans les gaines que je garde et que j'utilise. Les vis, pareil, bon, il y a des vis qui sont planquées là-dedans, donc ça va peut-être rouiller à un moment donné. De toute façon, là où j'en suis, je ne vais pas tout défaire. Donc bon, voilà les points d'attention. En tout cas, les gros morceaux qui contribuent à la structure de la maison. Là, vous avez un IPN qui tient le tirant qui est à l'extérieur de la maison. De l'autre côté, j'en ai pas, mais en fait, il est quand même scellé dans le mur de l'autre côté. Et puis, je vais avoir bah, l'amorce des IPN, de la passerelle, qu'il va falloir protéger. Donc, lui, il conseille peinture ou un anti-rouille, puisque ça pose quand même une pellicule assez épaisse, transparente sur le métal. Petite précision, et non des moindres. Quand j'ai discuté avec le maçon pour avoir un peu des commentaires sur mon travail et puis des petits conseils pour aborder la voûte, bah, pendant la conversation, il me dit, mais tu sais, j'ai une projeteuse. Donc c'est un gars qui m'a été recommandé par Seb, là, qui nous aide à faire l'électricité, qui est un ami. Donc le contact a été chouette avec Robin, là, et donc pendant la conversation, il m'apprend qu'il a une projeteuse qui coûte deux fois moins cher que ce que je connaissais, voilà, et il veut bien travailler. Avec son client. Voilà, donc le Robin, là, il est OK pour bosser avec moi et il prend 500 balles la journée pour lui-même et la projeteuse. Donc on va réussir à cracher quelques mètres cubes de chaud dans la journée. Et bah, il se pourrait bien qu'on arrive à finir l'isolation de la chapelle en une journée. Et cerise sur le gâteau, le gars, il est disponible première quinzaine de juin, ce qui est la période qui m'arrangerait grandement pour finaliser cette étape. On va aller faire un petit tour en haut, je vous raconte rapido comment j'ai gratté. Bon là, je sais pas, par exemple, ça sonne encore un peu creux. Donc d'abord, ouais, j'ai travaillé principalement avec un burin et puis au marteau de maçon. Les endroits qui sonnent creux, c'est clairement les zones où ça s'est un peu décollé. Donc là, la particularité de cette chaux là, enfin ça c'est ma... C'est ma théorie, c'est que en fait, cette voûte, elle a été rebâtie. Tout le bas de la voûte est fait en pierre de taille. Et le reste de la voûte, il a été remonté en maçonnerie. Puisque, pour ceux qui ont regardé la vidéo de présentation, il me semble que j'en parle. La chapelle a été démolie à la Révolution, et à l'époque, les lieux qui étaient démolis, comme ça, les lieux saints, ils se faisaient piquer toutes leurs pierres. Donc. Je pense qu'elle a été reconstruite avec des plus petits moyens, donc pas de pierre de taille. Et du coup, elle a été maçonnée. Donc en fait, la chaux qui est là, c'est la couche de chaux qui est directement contre le coffrage. Voilà, et à certains endroits, bah, ça sonne bien creux, mais ça a l'air quand même assez solide. Donc ça, je tire pas. Et par contre, bah, tous les endroits qui avaient l'air de bouger, mais en tapotant doucement, hein, pas comme une brute, parce que l'idée, c'est pas non plus de tout faire descendre. Bah, faut tapoter gentiment, voir ce qui tient pas très bien, et le faire tomber. Voilà. Après, les questions que je me pose, c'est que j'ai des trous assez importants à certains endroits. Bon, là, à mon avis, ça joue pas trop sur la solidité, sur la structure, mais par contre, bah, voilà, un endroit qui est près de la clé, là, ça fait une belle fente. Donc ça, j'ai un peu envie de réparer au mortier. Voilà, j'ai quelques trous par là qui sont assez importants. Donc avant la structure, je vais faire quelques réparations. Salut les petits choux. Bon, bah, début d'une nouvelle semaine. Je suis prêt à structurer. Donc, comme ceci. Voilà ce que j'avais commencé il y a déjà quelques mois. Et que j'avais pas fini en raison de l'échafaudage, comme je voulais faire la chape. Je m'étais arrêté et puis et ben, on a fait tout ce qu'on pouvait avant d'échafauder à nouveau. Voilà, et là l'objectif, ben, ça va être d'aller jusqu'à l'enduit de finition pour pouvoir ben, libérer cette pièce entièrement, faire la chape de compression et peut-être s'attaquer au travertin. Voilà. Sauf si je décide de faire autre chose entre-temps. On a toujours le salon à finir pour la partie 2 de l'isolation du salon. Et puis bah, j'ai encore tout le second œuvre à faire dans l'entrée.
encore un peu de plomberie à faire, et quelques gaines électriques à tirer. Objectif de cette semaine et de la semaine prochaine, structurer complètement la voûte et puis tout protéger puisque on va projeter le chaud-chanvre et apparemment ça en fout vraiment, vraiment partout. Donc on va protéger tout ce qu'il y a à protéger. Voilà, traiter le métal avant de le recouvrir avec du chaud-chanvre puisque l'acier ça rouille. Et puis je pense que je vais commencer par le versant sud puisqu'il est déjà entamé. Allez, je m'y mets. Bisous les amis. De la voûte parce que il y a 10 jours je me suis bien retourné le pouce et du coup je me suis fait une entorse, ce qui m'a permis de me consacrer au terrain, ouais, comme ça, parce que sans mon pouce droit je peux quand même passer la débroussailleuse, alors que bosser techniquement là c'est plus compliqué, il commence à marcher un peu mieux et puis à faire un peu moins mal. Donc on va continuer. Entre temps, j'ai pris rendez-vous avec le maçon qui va m'aider à finir ce chantier, qui va venir avec sa projeteuse. Donc il est passé, je lui ai montré un peu tout ce que j'avais fait. Bon, c'est plutôt rassurant. Et on s'est fait un petit pique-nique aussi ce week-end là, avec des amis, notamment une nouvelle connaissance là, Florian, qui est du métier, enfin, qui est plutôt couvreur, mais enfin qui a touché à tout et qui a accompagné des gens dans l'autoconstruction. Il était plutôt rassurant sur le travail, donc voilà, ça fait du bien, même si je crois que je sais que je fais pas tout à fait n'importe quoi, parce que j'anticipe et que j'ai l'air de me poser les bonnes questions. Ça fait toujours du bien d'avoir des gens du métier qui passent et qui disent ça va, c'est bien. Voilà, donc c'est cool. Et ben on continue hein, cette petite peau de tambour. Donc je continue à monter jusqu'en haut de chaque côté. Voilà, c'est à peu près bien fixé jusqu'à mi-voûte. En fait, la moitié de la longueur de la voûte, ouais, elle est, on va dire qu'elle est bien fixée, stabilisée et à peu près droite. Maintenant, c'est la dernière moitié là-haut, les deux dernières moitiés qui vont se croiser au niveau de la clé, qui sont encore souples et pas très bien fixées. J'ai arrêté le pan sud pour m'attaquer au pan nord, pour avoir suffisamment d'éléments là au niveau de la clé, pour voir comment ça se termine et du coup pouvoir continuer à fixer de chaque côté. Donc j'ai toujours le métal, les bouts de métaux, structure, au moins la structure à protéger. Les vis, il dit que si elles sont bien enfoncées dans le bois, le maçon, il dit que ça va, sinon ça peut être bien de les protéger. Et puis la suie. Donc il y a plusieurs méthodes apparemment. Une chaux spéciale qui est étanche. Ou alors, pas cher, un gobelet de ciment qui va rendre étanche cette partie-là du mur. Mais bon, comme ça respire partout ailleurs, je pense que je vais le faire avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire des vieux sacs de ciment. Voilà, voilà, pour éviter que la suie migre, hein, parce que bah, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un ennemi des enduits, la suie, sur les murs, puisqu'elle est transportée par l'humidité qui est conduite par la chaux. Et elle refait surface. Bon, dernier point, mais ça j'en parlerai plus tard, plutôt sur les enduits de finition. Mais c'est toutes les questions que j'avais posées pour savoir un peu où je vais. Le marouflage, c'est-à-dire l'utilisation d'une trame rigide. On colle des bandes au moment du gobelet.
sur tous les éléments qui ont des coefficients de dilatation différents. Chouchou, on se rapproche de la fin de la structure. Donc là, tout le pan nord, il est structuré et fixé. Il manque peut-être quelques points de fixation. Donc la chose qui est peu aisée là, bah, c'est que c'est beaucoup de chaud et puis cette pierre là, la pierre de taille, une pierre qui est utilisée par chez nous là, j'oublie son nom à chaque fois. Une espèce de truc tout poreux là. Donc en fait, j'ai beaucoup de ça. Et ça perce très facile, c'est très friable, donc c'est à peine plus soutenant que la chaux, et on va dire un peu plus. Mais du coup, voilà, il faut que je perce d'abord à 6 et ensuite je reperce à 8 tout doucement pour pouvoir mettre des chevilles de 8, et même avec cette technique, de temps en temps, ça prend pas. Cheville de 6, quand je suis dans les pierres taillées en bas, c'est assez facile, je mets deux chevilles de 6. Et ensuite, je me décale pour être à la bonne distance. Donc l'exercice un peu compliqué là, c'est que la voûte, elle est quand même pas mal déformée. À certains endroits, elle a pris vachement de ventre. Donc l'idée, c'était d'essayer de rattraper tout ça. Voilà, je sais pas si on s'en rend bien compte à la vidéo, mais on voit que là-bas, à cet endroit-là, il y a pas mal de ventre. Et de ce côté, il est plutôt par là. Voilà, et la clé, même la clé là, on voit qu'elle est un peu. Hop, on voit qu'elle est un peu affaissée au milieu. Donc il faut que je rattrape pas mal quand même sur les bords. Je me retrouve avec une bonne dizaine de centimètres aux extrémités. Ici et là, désolé pour les bruits d'échafaudage. Hop, ici et là, voilà. Donc ce qui est un peu compliqué, ouais, c'est que je suis obligé d'attaquer d'un côté de l'autre, de monter mes points d'accroche doucement et de faire du réglage en vérifiant que mes montants sont à peu près parallèles les uns aux autres. Et du coup, je suis monté doucement, j'imagine ça se voit un peu sur le timelapse. Je fais beaucoup de kilomètres pour pas grand chose. Mais voilà, c'est l'image que j'ai eue pour en parler un peu autour de moi. C'est comme une peau de tambour qu'il faut... Il faut tirer aux extrémités d'abord et puis après on avance comme ça en réglage. Voilà, donc aujourd'hui je vais recouper des petits morceaux de contreplaqué là, qui me servent à faire les courbes pour finir la structure du pan sud. Le point final de la structure là, ça va être de régler doucement la clé qui est pas trop mal. Mais qui a besoin de petits ajustements là en hauteur. Et après, je sais pas si je cherche à fixer ça à la voûte ou pas. Puisqu'on va être fixé au niveau des derniers montants là, celui-là et celui-là, de part et d'autre. Et donc forcément, ça tient, une fois que c'est solidarisé, ça tient bien. Dernier petit réglage, et puis après, il me restera à structurer les pignons. Et puis. À finir la structure de l'arche qui a été commencée du côté est. Il faut que je refasse deux arcs en bois, là, 8-8, un intermédiaire. Et puis ça c'est pareil, on va remplir de chaux-chanvre pour remodeler tout ça. Moi, je pense qu'on va rajouter un peu de matière sur l'arche en pierre, là, parce qu'elle va s'enfoncer comme les clés. Comme tout est bien décalé au niveau des clés, on va rajouter un peu de matière par là-bas, là. Voilà. Histoire de lui redonner une forme à peu près régulière. Bon, allez, c'est tout. Bisous les chouchous.
Bon, bah la structure de la voûte est finie. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer. On va continuer à structurer donc les petits bouts de pignon là qu'on a sur les côtés. Le bout de pignon qui est ici. Et surtout, commencer à bien caler la structure de cette arche là. On a déjà un montant là, ici, il faut que j'en rajoute un intermédiaire et puis un de ce côté-là. Voilà, la mission du jour, ça va être de m'attaquer à ça. Et ben, allez! J'ai bien avancé l'arche, la petite arche qui est là-bas. Hier, j'ai mouillé mon mur là pour la suie. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans le gobelet de ciment étanche qu'on va projeter sur toutes les zones qui sont bien noires de suie, puisque tout cet endroit-là, c'est l'ancienne cheminée. Donc les pierres sont bien cramées, même si ça a été décrouté et brossé. J'ai même brossé ça à la disqueuse là, avec une brosse métallique. Et ben, il reste quand même des zones qui sont très noires. Donc, je vais faire une bétonnière et j'ai envie de bâtarder le mélange pour qu'il soit un peu plus souple. Parce que bon, même si mon maçon il est pas inquiet là, il dit que si le mur est bien préparé, il n'y a pas de raison que ça se décolle. Moi j'avais entendu dire que les enduits ciment sur des murs en pierre à la chaux, comme ça se dilate pas pareil, au bout d'un moment ça se désolidarise. Donc comme ça c'est une couche intermédiaire entre de la chaux et de la chaux, et ben ça serait un petit peu embêtant hein, si ça se désolidarisait complètement. Comme on a une bonne surface, voilà, il y a un autre point qu'il y a à considérer, c'est le fait de rendre étanche le mur maçonné. La chaux, elle perspire, le mur, il a besoin de relâcher de l'humidité quand il en absorbe trop. Bon, là, on va rendre étanche une petite partie du mur, et puis le reste va respirer. Donc, voilà, on va rendre le mur étanche. L'important, quand on empêche un mur en pierre de respirer, faut pas l'étouffer complètement. Voilà, donc là, on va empêcher un peu la migration d'humidité à cet endroit-là. Tant pis pour le mur, mais tant mieux pour la suie. On aurait pu mettre de la chaux, je crois que c'est de la sanibate chez Saint-Astier. En tout cas, c'est les chaux qui servent à traiter les bas de mur qui ont du salpêtre ou beaucoup d'humidité. J'y vais au ciment, donc c'est du ciment tradit, hein. Normalement, la suie, elle migre assez vite. Ah oui, il y a un point quand même, c'est qu'il ne faut pas mouiller le mur juste avant. Voilà, il faut que le support soit sec. Il faut qu'il soit humide mais sec, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, et a priori ça migre assez vite, donc on devrait s'en rendre compte d'ici 2-3 jours, quoi, le temps que ça sèche bien. S'il n'y a pas de migration, a priori c'est que c'est suffisamment étanche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je fais mon mélange à la bétonnière, ah oui, et que j'utilise une projeteuse. J'ai récupéré une projeteuse à air comprimé, donc j'ai mon petit compresseur. 8. Donc je vais monter ça là-haut, mon petit compresseur, et la projeteuse, c'est elle. Donc j'ai la poignée de gaz qui est là. Je remplis mon réservoir et à l'intérieur, j'ai quatre buses qui envoient la matière par les quatre trous qui sont en face des buses. Voilà. Apparemment, ça en fout de partout. Ouais, mais c'est tout quoi. On fait ce gobelet et après il me restera plus qu'à finir de structurer mes deux pignons. Et je vais commencer à être bon, je vais pouvoir finir les lecs, finir de bien positionner mes gaines électriques là pour mes lumières dans la chapelle. Et puis je vais commencer à protéger tout ce qu'il y a à protéger. Allez, bisous les petits loups, à plus tard.
petit ciment. C'est beau, hein? Ça s'est relativement bien passé. Voilà, ça fait quelques heures qu'il tire. Et on voit que ça migre déjà en partie ici. Là aussi, bon, c'est flagrant dans le trou là-haut. Hein. On voit bien que plus c'est fin, plus ça migre. Donc je pense que je vais repasser à certains endroits. Pour finir la journée, là, je vais aller structurer le pignon qui est en face, le pignon est. Petite transition, j'ai fini la structure du pignon est. On a une première couche de gobti, mais comme on a vu, ça migre encore un peu à l'ouest. Et puis j'ai installé des petites. J'ai fini l'électricité, je sais pas si on le voit là-bas, je vois rien moi à l'écran, c'est par là-bas. Il y a des sorties d'enceinte et puis les sorties des petits spots qui vont éclairer la voûte par en dessous. Pareil là-bas, je sais pas si on voit. Il y a de la lumière encore là-bas, dans le coin. Et puis il en reste une à faire ici, là, dans cet angle-là. Sauf que je vais attendre d'avoir fini le gobti. Et donc la mission aujourd'hui, ça va être de structurer au moins côté nord. Et ensuite faire le gobti et finir la structure. Voilà, il faut encore que je protège. Que je protège tout, quoi. Le métal surtout. Et puis, tout le reste de la maison, les menuiseries, les boîtiers d'encastrement, bref, tout ce qu'on veut protéger. La deuxième couche du gobti, elle est faite. Ça a l'air pas mal. Il y a peut-être deux, trois petits endroits que je reprendrai à la main s'il me reste un peu de temps. Il y a des petits creux dans lesquels il n'y a pas encore beaucoup de matière. Et voilà, si ça touche la chaux, il y a peut-être encore des petits risques de migration, petit. Je vous ai dit qu'on avait fait des prises. J'ai commencé à protéger un peu les tableaux avec des bouts de carton. Hein. Hop, là. Carton agrafe. J'ai fini de fixer les gaines électriques. On est pas mal au niveau de la structure. Il reste le pignon du gobti, le pignon de la suie, là. Hop, là-bas. Et donc, Aujourd'hui, je vais juste faire, bon on est le week-end là, comme le maçon il vient la semaine prochaine, je fais un peu de rab. Je pense que je vais bosser au moins ce matin. Et l'objectif c'est de faire la structure du linteau, du passage qui va à la cave, du salon, pour pouvoir ensuite raccorder avec la structure qui va monter le long du pignon. Voilà, cette structure là, elle va servir à juste accrocher de la planche de châtaignier. Donc ça va ressembler grosso modo à la structure de la baie vitrée là, et puis que ça raccordera ensuite avec la structure du pignon. Pour dessiner cet angle là et savoir où est-ce qu'on arrête le chauchon, c'est tout. Hein. Un coup de laser, des petites cales en bois, le perfo, et des chevilles à frapper. Et avec ça on est bien. Donc il va rester un petit coup de nettoyage, finir de protéger le métal. J'en ai mis sur les vis, surtout celles qui sont un peu apparentes. Il y en a qui sont très bien enfoncées dans le bois, donc je pense qu'elles ne craignent pas grand chose.
Voilà, ce qui était important à protéger, c'est surtout les IPN de la structure et puis l'IPN du tirant qui est là-bas. Voilà. C'est tout, après il va rester à ranger, ranger, protéger avec de la bâche, du polyane, tout ce qu'on a besoin de protéger, surtout le métal, enfin tout ce qui tache fort avec la chaux quoi. La chaux après elle pose sa petite pellicule blanche là, quand c'est mouillé on la voit pas, puis dès que ça sèche on fait hop. Oh. Voilà. Bon allez. Alors, veille du chantier chaux chanvre. Il me reste une fenêtre à protéger. Et puis des petits détails là sur les poteaux. On a fini la préparation du chantier. On protège les huisseries, les éléments électriques, les sorties d'évacuation, les tableaux. Il y a Robin qui va venir cet après-midi pour poser ses machines. Et ben, j'espère que je suis prêt. Donc demain, je pense que la première étape, ça va être de projeter le gopti. Et puis après, ça va envoyer de la purée sévère, comme on dit. Voilà, donc on va projeter plein de matière dans la grille et puis gratter ce qui dépasse. Et ben voilà, donc c'était un peu sport là. Ça fait 10 jours que je travaille non-stop pour être prêt pour l'arrivée de Robin et de son apprenti. Et puis il y a Lise aussi qui va bosser avec nous. Je vais essayer de filmer un peu l'intervention demain, mais comme je vais être très occupé, que ça va très vite, j'espère que j'aurai un peu le temps de faire ça. Tout est rangé, ou presque. Il reste un petit carton là-bas. J'ai protégé le métal, les vis, le gopti en tissu, il a l'air pas mal. Et voilà, les électriques. Tout ça. Bon allez, je continue, je vous fais des bisous et on passe une grosse étape là. Cette voûte m'a bien occupé et quand même bien stressé, que ce soit au-dessus ou en dessous. Bon et voilà, c'était un bon exercice de géométrie quand même. J'ai hâte de voir le volume final. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt. Bon, et ben contre-temps, le maçon il avait oublié de me dire un petit truc important, c'est que il faut 8 kilos de puissance en permanence là pour faire fonctionner ces machines. Et figurez-vous qu'on a fait un changement de puissance du compteur parce qu'on a une installation photovoltaïque et que en gros on consomme quasiment plus rien. On était en 9 kVA et on est passé en 6 et en plus de ça le technicien est passé à un moment où j'étais pas là. C'est Lise qui s'est occupée de le recevoir et il nous a installé un Linky. Bon. Voilà. On n'en voulait pas mais on l'a quand même donc on accepte un peu la situation et l'avantage, c'est que sur la base de nos échéanciers, notre fournisseur, il nous appelle des factures assez exorbitantes, alors qu'on consomme rien là, à la belle saison. Donc on va payer nos consommations réelles, donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de rentrées d'argent en ce moment. Et pour finir sur cette histoire, donc oui, on n'a que 6, il y a l'installation photovoltaïque qui donne théoriquement 5-6 entre les batteries et les panneaux. Mais là, il fait un temps absolument dégueulasse, voire même on a des énormes orages. J'ai eu une remontée de flotte à la cave, tellement ça tombe fort en peu de temps. Donc c'est reporté à la semaine prochaine, on surveille le temps, il a déjà posé ses machines, et on espère pouvoir attaquer ça mardi ou mercredi, voilà, si le temps se calme. Donc je vais faire un petit bout de l'épisode du salon, n'est-ce pas? C'est le grand jour. On va projeter le chaux chanvre dans la chapelle.
Donc, pour ceux qui débarquent, on a fait tout le bas des murs branché. J'ai traité le coin cuisine avec du liège. Là, le béton qui est en bas, sous les 90 cm du futur plan de travail, c'est du chaud liège avec du sable. Et donc, à partir de 90 cm, là, derrière moi, on grimpe avec du chaud chanvre. Et puis, de l'autre côté, côté sud, pareil, là, le mur qui est derrière moi, c'est du chaud chanvre. Donc, on est monté à peu près à 2 mètres, 1,90 m, 2 mètres. Et maintenant, on continue jusqu'à la clé de voûte avec Robin qui va venir avec son apprenti et qui a une projeteuse et qui pratique des tarifs tout à fait acceptables. En tout cas pour moi. Et puis le gros point, c'est qu'il veut bien travailler avec son client. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc bah, c'est aujourd'hui. On a la journée de demain en rab si jamais on n'arrive pas à finir aujourd'hui. Mais on va projeter au maximum, donc on va être 4. Il y a Lise qui nous aide aujourd'hui. Voilà, donc j'ai bien mouillé les murs hier soir. Tout est protégé, sauf les échafaudages. Mais comme on fait la fête début juillet, je vais démonter les échafaudages. Comme ça déjà on pourra contempler le travail qu'on va faire aujourd'hui, et peut-être demain. Je crois que c'est lui qui arrive là. Donc je vais aller l'accueillir. Je vais essayer de filmer tout ce que je peux là dans la journée. Allez, tchou. Mauvaise journée hier, hein. On a fait une première journée de projection et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc je vais essayer de pas incriminer le maçon. En fait la machine a déconné beaucoup et du coup le mélange est pas top. Tantôt il est trop chargé en chaud et de temps en temps il est pas assez chargé en chaud. Donc ce que j'espère seulement, c'est qu'on n'ait pas besoin de démolir ce qui a été fait. Et il a fallu tester, retester la machine, la renettoyer, etc. Donc à chaque fois qu'il faut tester, et ben on rebalance de la chaux, et on rebalance de la chaux, on rebalance de la chaux. Donc là on a fait 2 mètres cubes à peu près de chenvote, et ça a consommé une trentaine de sacs de chaux. Puisqu'il fallait tester la machine, donc à chaque fois on remet de la chaux, on remet de la chaux, on remet de la chaux. Donc en fait, il y a un gopti, il y a du gopti quoi, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc ça me coûte cher en chaux. Je me suis arrangé avec le maçon quand même pour le payer au mètre cube. Et en fait, j'ose même pas rattaquer là avec lui aujourd'hui quoi. Donc en fait, j'ai arrêté là. Et donc bah, c'est la grosse débandade quoi. Je suis bien déçu, c'était le carnage, donc bon bah... Donc on a fait 2 rangées là au sud qui sont pas mal. D'après le maçon, c'est trop chargé en chaux, mais bon, ça a le mérite de tenir et d'être à peu près propre au niveau de la forme définitive. Voilà, enfin c'est quand même très compliqué, hein. Il y a beaucoup de pertes à la projection, et puis après il y a encore plus de pertes au grattage. Donc là j'ai des tas de matières par terre. Ok, bon, pour faire la transition... Ça, a priori, c'est quand même un concours de circonstances, hein, parce que ce maçon, il a déjà fait des chantiers de projection, et soit il m'a pas dit que ça s'était mal passé, soit ça s'est relativement bien passé. La voûte, c'est quand même un exercice particulier, quoi. C'est pas un mur plan, hein.
C'est assez compliqué pour être sûr d'arriver à une forme convenable. La structure, c'était carrément nécessaire parce que la voûte, elle a quand même pris pas mal de déformations. Ce chantier, pour moi, c'est vraiment une initiation, hein, et puis je crois que je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais à chaque fois que je touche à cette voûte, bah, il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs, le processus est très très particulier. Je me suis demandé hier s'il n'y avait pas quelque chose qui énergétiquement bloquait ce chantier. C'est probable, pendant que c'était bien perturbant pour moi, savoir est-ce que j'arrête le carénage là, est-ce qu'on continue. Bah, il y a vraiment cette phrase là qui est venue où on n'est pas dans de la rentabilité en fait. Hein. Et pourtant, en fait, ce qui m'a fait peur là, bah, c'est que je paye le maçon, je paye la machine et je paye la chaux qui est consommée pour rien là, juste pour tester la machine, pour repasser une quatrième couche de gobelet. Pour essayer de voir d'où vient le problème, ça c'est à ma charge, hein. C'est pas à la charge du maçon. Il n'engage pas sa responsabilité non plus par rapport à la qualité du mélange. Donc en gros, c'est tout ça, c'est sous ma responsabilité. Bref, voilà, le lieu là, ce lieu là, il a 800 ans. Voilà, bon, ben, c'est un moment particulièrement difficile pour moi. Une petite vidéo de clôture là, de cet épisode puisque le chantier est mis en pause. On est début juillet, on prépare la petite fête d'anniversaire de ma chérie. Du coup, bah, voilà, temps de réflexion sur comment est-ce qu'on va continuer. Cette voûte, a priori, la méthode de projection, c'est un peu le seul truc vraiment viable hein, pour que ce soit bien bien collé au support. Difficile d'envisager de faire ça autrement. À la main, ça va être une véritable galère parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Probablement 5 ou 6 mètres cubes de matière à accrocher. Donc la mano, ça va être compliqué. Donc là, j'ai essayé de faire un petit point sur la matière gaspillée. Ça fait beaucoup là. J'ai rempli 6 sacs. Là, il y en a 5, mais il y en a un que j'ai déjà réutilisé pour faire les linteaux. On a utilisé 11 ballots, une trentaine de sacs de chaux. Bon, la trentaine de sacs de chaux s'est passée, comme je vous l'ai dit, pour tester la machine à chaque fois qui ne marchait pas. Donc on remet de la chaux, on reteste et puis ça marche toujours pas, etc. etc. Donc je pense qu'on a cramé probablement pas loin de 10 sacs de chaux en trop. Et là, pour moi, en perte, on a facilement 3 ballots pleins, quoi, sur les 11 qu'on a consommés. Donc vous voyez le ratio, ça fait mal. Donc le truc un peu positif, c'est que ça, on va pouvoir l'utiliser à l'entrée, même si son pouvoir est un peu moins isolant. J'ai encore tout le refend là, du côté de l'entrée à l'est à traiter. On va le traiter comme on a traité les murs de la cuisine là derrière moi. Et puis s'il en reste, bah, je m'en servirai certainement entre les lambourdes, dans les chambres, sous les planchers. J'ai une drôle de voix parce que je suis malade. Certains diront que c'est peut-être le Covid. Voilà, donc bah, c'est l'été, hein. On a le petit loup dans les pattes, au moins en juillet. Donc on fait la fête, après on va partir à une rencontre un petit peu spéciale. Je vous en causerai peut-être un jour, puisque j'ai l'impression que petit à petit, cette chaîne risque de s'ouvrir sur des questions un peu spirituelles. Bah oui, ça s'appelle la chapelle, hein. On n'est pas là par hasard. Et ben ouais, je voulais vous remercier de me suivre. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens, hein, cette vidéo-là, mais voilà, donc ça sera la partie 1, on va s'arrêter là, et puis la partie 2, bah, ça sera plus tard quand on aura trouvé une solution. On a passé la barre des 750 abonnés là il n'y a pas très longtemps, donc merci à tous. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Il est fort probable que dans les choses un peu faciles et accessibles, bah, qu'on puisse terminer l'isolation du salon. On a posé les matériaux isolants, presque tout. On a encore les ponts thermiques à traiter. Et puis ensuite, on va poser le pare-vapeur, poser les litos et on sera prêt à plaquer. Parce que cet été, ça va bosser, mais ça va se calmer un petit peu puisque le petit, il n'est pas à l'école.
On a probablement une solution de garde qui se dessine là pour le mois d'août. Et à ce moment-là, Lise, ma chérie, elle va venir m'aider sur le chantier, puisque la motivation grandit, grandit, grandit chez elle. Et ben, je vous souhaite à tous un bel été. Prenez soin de vous. Gardez votre discernement et votre esprit critique. Allez, à bientôt. Salut les amis.